Hello mes beautés, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc pour un make-up en 3 minutes, donc pour un concours qui est fait sur le site The Beautist, donc voilà, donc c'est parti. Alors je vais venir mettre ma crème hydratante, donc c'est la Nivea Soft, franchement rien de spécial. Alors ensuite je vais venir mettre donc ma crème de jour de chez Kiko. Donc faut faire attention parce qu'elle est quand même assez grasse. Du coup elle rend la peau assez brillante. Alors une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre donc mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui vient de chez Kiko. Alors d'habitude j'utilise un beauty blender, donc une éponge, mais le problème c'est que ça met trop de temps. Et si on veut faire un make-up en 3 minutes, j'opte pour la technique donc avec les doigts. Alors je vais venir passer à la paupière une fois que j'ai mis ma base. Donc je vais prendre donc un vert kaki que je vais mettre sur ma paupière. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma palette donc Dream Color de Réserve Naturelle que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Et je vais venir prendre donc le doré que je vais mettre donc à l'extérieur de l'œil. Alors je vais prendre donc un fard à paupières donc de la marque Astra et je vais prendre donc le côté donc avec des petites paillettes je dirais. Ensuite je vais venir prendre donc un eyeliner, donc le mien c'est un eyeliner feutre. Et donc je vais m'en mettre sur la... Une fois que ça c'est fait, bah naturellement je vais venir mettre donc un crayon noir donc sur ma muqueuse. Et quand ça c'est fait, petite touche finale, donc je vais venir donc mettre mon mascara, donc c'est le The Rocket Volume Express de chez Maybelline. Et je vais venir matifier tout ça donc avec une poudre compacte. Donc ça va aussi me permettre donc de faire tenir mon fond de teint toute la journée. Et je vais venir mettre donc un blush qui vient de chez Kiko. Donc ça c'est une édition limitée. Et pour finir le make-up, je vais venir mettre donc le numéro 86 de Maybelline. Donc c'est un rouge lèvres rose, un vieux rose qui est... Et voilà le résultat. Donc si ce maquillage vous a plu, eh ben votez pour moi. Merci.